Bon, ce que je veux simplement dire, c'est de faire savoir qu'aujourd'hui, quand tu es responsable, et vous donnez des instructions à ceux qui travaillent avec vous, il faut avoir l'idée, il faut avoir le temps de vérifier ce qui est fait. Parce qu'on peut être surpris comme ça. Et lorsque bon, les gens se retrouvent, en tout cas leurs noms publiés alors qu'ils n'ont pas, ils ne voudraient rien, bon, ça fait quand même un peu mal. Et tout ça, bon, ce n'est pas ça qui me dérange. Bon, ils ont eu quand même l'intelligence de demander pardon, bon, on accepte, mais que l'ONEA persiste et signe. Mais en même temps, à l'intérieur, on ne sait pas qui. Oui, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il reviendra à la charge. Ça jette à la limite de distraction. Tout à fait. Tout le monde. Bon, du moment où il y a des gens même qui sont morts et à leur nom dedans, bon, ça fait un peu mal. Et moi, ce qui me dérange, ce n'est pas ça. C'est le fait qu'on catégorise les Burkinabés. C'est que les Ouaravillois de Salomon et les Ouaravillois de Lazare. Les Ouaravillois de Lazare, eux, ils sont marqués à la culotte. Si tu ne payes pas le même sort, on te coupe. Alors que ceux qui sont dans la ville de Salomon, eux, ils sont peinards. Qu'on me dise que des gens ont fait un an, deux ans, sans payer une facture au Burkina Faso. Hey, mais je pense que ça, c'est une honte même pour l'ONEA. Ils existent dans d'autres quartiers aussi. Hein. Ah, bah, mais il faudrait qu'ils nous fassent sortir la liste. Voilà. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas jeter les gens en pâture. Comme lui, il a dit, il peut arriver que vous ne résiliez pas un contrat, par exemple, de l'eau ou bien de courant. Et s'il n'y a pas eu des investigations, on va vous jeter votre nom en pâture et les gens vont vous voir comme un créancier. Non, je parle de la liste au niveau de l'ONEA, ceux qui doivent. Ça n'a pas été fait. Ah, voilà, ça donc c'est fait. Pourquoi d'ailleurs, je dis non. Après les réseaux sociaux, l'ONEA a publié dans des journaux, j'ai vu vous la voyez, liste dans là, les journaux. Si vous vendredi. Avez un parent qui est décédé et vous voyez ce parent-là, son nom figure sur une liste, bon, ça fait un peu mal. Moi, je pense que nous sommes des clients et la première des règles, là, c'est respecter les clients. Ils ont cette possibilité de toucher individuellement. Quand ils signent leur contrat, le peuple burkinabé n'est pas d'accord qu'ils signent un contrat X ou Y. Donc, moi, je pense qu'il faut respecter les clients, mais tout faire. Pour mettre des moyens, en tout cas faciles, de collecter les fonds. En fait, nous avons évolué, mais notre technologie n'a pas suivi notre évolution. C'est ça la règle, c'est ça seulement le fond Merci du problème. Docteur.